Salut à tous les gamers! Alors je vous retrouve pour le chapitre 4 de The Evil Waiting. Donc voilà, on y est. Non, je vais pas vous dire combien de la dernière fois. Si vous avez pas suivi le chapitre 4, à vous de... Ah, chapitre 3, excusez-moi. Vous avez qu'à aller voir. Par contre, dites-moi par commentaire si les vidéos d'une heure vous dérangent ou pas. Parce qu'on m'a dit que... Enfin, une personne m'a dit... Plutôt que les vidéos d'une heure... vous aurez peut-être freiné à regarder The Evil Waiting. Vu que moi, je fais une vidéo par chapitre. Je voulais savoir si ça vous dérangeait ou pas. Voilà, donc dites-moi par commentaire. Que je sache s'il faut faire espacer ou pas... Ah, l'hospice. Et bien sûr, c'est là que Leslie était traité. Il a dû venir ici pour se sentir en sécurité. Vous savez où on est ? Mon frère est le directeur de cet hospice là-bas. Il nous aidera. Ça ne répond pas à ma question. Honnêtement, j'en sais rien. Si ça se trouve, je perds la tête et vous n'êtes qu'une hallucination. Mais autant croire qu'il me reste une once de dignité. Je dois absolument protéger mon patient. Et en tant qu'inspecteur, vous devriez faire de même. J'espère que son frère est un peu moins con. Ouais. Là, je sais pas si vous avez vu, il y avait quelqu'un là-haut. Hein. J'ai vu une tête. Ah, tu vas me coller au basque, toi ? Chouette. C'est quoi, ça ? Ok, je pense que je vais défiler. Ouais, moi je vois une maison, direct je rentre. Ah bah c'est un miroir, c'est cool. On va pouvoir améliorer un petit peu avec la gel verte. C'est cool, ça a des bons côtés. Je le savais. Je le savais. Alors... Hop. Je crois pas qu'on avait récupéré les clés la fois. Bon, je vais quand même aller voir. J'ai quelque chose pour vous. Oui. Qu'as-tu pour moi ? Ah, je ne peux pas rentrer. Donc c'est forcément toi qui sors. Veuillez me suivre. Je vous suis, madame. Je vous suis. Je vous ouvre la porte comme la dernière fois là-bas. Attendez, je vous l'ouvre. Ah non, je n'ai pas le droit de l'ouvrir. D'accord, moi je peux pas l'ouvrir alors que la porte elle est pas fermée avec les normes. Où est-ce que vous m'emmenez ? Vous n'êtes pas très causante. Ah, j'ai deux clés. Bah ça passe au garde la dernière fois quand j'avais été ? C'est louche. C'est Inspecteur louche. Castellanos ? Possédez-vous une clé comme celle-ci ? Cette clé vous permettra d'ouvrir un de ces casiers. D'accord, bon. Alors, bah écoutez, on va pas faire la même que la dernière fois, hein. Ce serait ridicule. On va faire cela. Des balles. Ok, on continue à partir. Revenez me voir quand vous voulez. Une seringue, ça se prend aussi. Deux seringues. Ça se prend même beaucoup bien, je trouve. Juste prendre mon flingue, recharger pour prendre les balles. Ouais, pour deux balles, on va pas pleurer. Hein. Pour deux balles, on va pas pleurer. Hop là. Bon, du coup, on va ressortir. Forcément, on peut pas. Ça aurait été plus court pourtant. Bon, on va sauvegarder au passage. Non, puis on va sauvegarder après, être passé par... Putain, mais tu veux vraiment pas sauvegarde, toi ? Pénible, la meuf, hein. On va écraser la sauvegarde, de toute façon, pour ce qu'on a fait, je viens de te dire. Voilà, quoi. Bon, c'est bon, puis-je rentrer ? C'est quoi encore ce bordel ? J'en ai marre. Pourquoi je peux pas rentrer encore dans ma cellule là-bas? Euh...
Je peux rentrer dans ma cellule? J'entends un bruit suspect. D'accord, ok. Sauf que c'est moi qui ai fait le bruit en plus, je me suis même pas rendu compte. J'ai les quoi dans les pattes? Ok, d'accord. C'est moi qui ai la chaise roulante. Ok, normal. Ok, bon. Donc, la dernière fois, on avait vu, de toute façon. Hein. Mais je repasse plus par là, en fait, pour voir si. Bah, si y a pas autre chose à faire, quoi. Parce que, comme je ne peux pas. Là, je ne peux pas. Là, je regarde, il n'y a rien à faire. Là, je peux pas prendre plus les balles, puisque je suis pleine. Là, je vais refaire le bruit juste pour faire chier. Voilà, c'est le bruit que j'ai entendu, c'est ça. Ok. C'est quoi, c'est parce que tu veux pas que je sois armé? Je suis obligé de t'armer, hein, de toute manière. C'est quoi l'arnaque encore là, putain? J'essaie de comprendre, hein, parce que là. Je comprends pas le tout pourquoi je ne peux pas revenir. Bonsoir, là, je peux rentrer apparemment dedans. Donc en fait, je peux pas. Je peux pas aller mettre mes gels verts. Bon, bah, c'est pas grave, tant pis, hein, je vais vous dire. Enfin, c'est la prochaine fois. Alors, ça, une prochaine fois. Du coup, on va reprendre le pistolet. Moi, je vais passer par derrière. Ah, j'arrive. Je ne sais pas frapper. Je vous l'ai fait. On peut plus la sauver. Je sais même pas si on pouvait la sauver. Hop, de la gel, de la gel, oui, de la... Une gel, un gel. Bref, n'importe. Ça fiche. C'était... C'était quoi, une bouteille? Ok. Du coup, ben, c'est par là qu'on va aller. On se calme. Doc, non. Valerio, c'est moi. Le bon docteur est là. Voici mon frère Valerio, le premier docteur de Leslie. Décortiqué. Exposer l'intérieur. Hé, hey, qu'est-ce que vous faites? Il a vraiment pas l'air commode. Bon, ça va, il est lent. Putain, les balles dans la tête, ils s'en mangent, mais pourtant ça lui fait rien. Mission. Ok, d'accord. Mission, c'est cool. Ah ben j'ai encore mon... Non, j'ai pas. Ok, ça. Regardez-moi le gros péteux. Franchement, c'est son frère, hein, quand même. Merde. Voilà. C'est chic. Thank you.
Ça démange. Ça démange. Quand je pense à ce qu'il a fait à Valerio, c'est impossible. Ça ne peut pas être Vic. Attention, me montrer chic. Oui, on vous a pas dit, V-Waiting, c'est aussi de la chirurgie. Il y a de l'arnaque, c'était 3 clés normalement. C'est juste pour m'assurer qu'ils ne reviennent pas en vie. Alors. Bon, bah, c'est tout ce qu'il y a à faire. À moins que tu vois autre chose, mon garçon ? Non, bah non, je me suis dit, t'es pas vraiment chiant, ton genre. Par contre, je vais aller voir en haut ce qu'il y a. Leslie ? Ça venait de dehors. Oui. Oui. Oui, bah vous permettez, enfin, je suis pas payé à la minute, hein. Bon, ça sert à quelque chose. Voilà. Avec moi, j'ai bien fait monter. Plus 300 en plus. Encore une là. 200. 300 aussi. Eh ben, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, on va suivre le parcours. Bon, là, sont là, c'est pour aller dehors, je pense. S'il y a personne, je scrute l'horizon, comme on dit. Non, mais je veux rester à la maison. J'ai pas fini de fouiller, voyons. Ça va me foutre à la porte, hein. Alors là, il y a des balles déjà. Non, c'est des helmets. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Vous voyez, chapitre 3, je commence à vous dire, ça pue la merde. Au début de l'épisode, et en fait, en effet, ça sentait bien la merde. Et bah là, j'ai envie de vous dire la même chose, ça sent la merde. Ok, salut. Allez, salut, merci, au revoir. Ouais, dodo. Et voilà. Hop là, il y a ça aussi. Je suis pleine. Je ne suis pas sûre. On va recharger un peu tout le monde. Merde. Mais c'est bon, ça. Ok. Merde, c'est la bouteille. Je vais prendre la hache. Alors là, on a quoi? On a la lampe torche aussi. Et là, du coup, on ressort par où on est rentré tout à l'heure. Donc, il y aura cette porte-là ouverte. Je pense. C'est quoi ce labyrinthe? Ah non, d'accord, c'est par où je suis rentré tout à l'heure. Ok. Voilà, fait chier. Alors. Leslie. Il n'est pas... Il est pas quoi? Il est pas mort? Non, ben non, il est pas mort. Vous voyez, des zombies, des fois, ça me fait pas du tout peur. Mais alors, un mec qui sort comme un couillon derrière un mur... Ouais, là, ouais, ça me fait un petit sursaut, quand même. C'est con, hein. C'est con. Alors...
Bon, déjà, là non. Ok, là, il n'y a personne. On va voir s'il y a quelque chose. Hormis les bouteilles, il n'y a rien. Arrête! Mais qu'est-ce qu'il a, ce gosse? Et pourquoi il fait que courir partout, ce gosse? Tu peux m'expliquer, ça aussi? C'est pas par là qu'il est rentré l'autre. Sur le exit pourtant. Voilà, entre ton ventre. L'un de ton ventre, mon caleçon, il faut passer. Merde, c'est pas la bouteille, c'est la hache. C'est pas la bouteille, c'est la hache. Et. Inimaginable. Tu peux me prendre la gelée, s'il te plaît. Oui, comment? Comment quoi? Il est où? Bouillante. Note d'un villageois. Ils ont une Norman. Ses appels à l'aide viennent de s'interrompre. J'entends des cris tous les soirs. S'il ne reste pas caché, je sais que je serai le prochain. Et ouais. Ça se peut. Du coup, là on peut fouiller. Ouais, on peut fouiller. Enfin, on prend les balles toujours. On les fesses. Lui par contre, il s'est pas rentré les fesses, hein. On va l'appeler Mister Rocu. Le mec qui n'arrive pas à passer entre une armoire et un mur. Alors. Alors, ça va être à l'autre maison en fait. Bah non, pourtant, je pense pas. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc tout moche? Bon, par là, y'a rien, clairement. C'est vrai que tu cours toujours pas assez vite. C'est évelé. Bon, là, on a fait. Ne te laissez pas là, t'as qu'à avancer, mon pauvre gars, écoute. Que je te tienne par la main. ...300, c'est bon ça. Bon là c'est que dalle. Là c'est là tout qu'on vient. Valait sans doute la peine de vérifier. J'ai vu quelque chose bouger. T'es paranoïaque. Hop là. Oui, mais écoute, ah, tout à l'heure, apparemment. Hop là. Ouais. T'as pu être plus pire. Hop là, tranquille, je chercherai à côté, y'a pas de soucis. Ouais, 200, ça me rapporte toujours aussi bien. Alors, ensuite. Du coup, il a cassé la porte, donc du coup, on va pouvoir rentrer. Il y a un coffre, ça va le coup. Bon. Alors, je l'ouvre. Je sais qu'il y a un truc.
Merde, putain, salope. Putain. Fragment de carte. Allez, des balles. Pas de seringue, ça? Non. Je l'ai clu. Hop là. Alors, ensuite, on va continuer par là, de toute façon. On va faire le tour. Ben, on est rentré par là, c'est normal. Rentrer par là, je suis pas folle. Enfin, on fait le tour des fois que, mais c'est pas autre chose à prendre. Alors là, on me dit que c'est... j'ai passé de place. Alors, c'est juste parce que j'ai pas cherché. Non, même pas. J'ai vraiment plus de place, ok. J'ai ainsi rien à prendre d'autre. Tour, y'a rien. Ce n'est pas le moment de rêvasser. Je t'emmerde, d'accord. Je sais pas où c'est par là tout à l'heure par contre. Y'a rien. Là y'a de la gelée. Je sais pas si c'est par là tout à l'heure, mais. J'ai bien fait de passer par là. Alors du coup je ressors là. Il doit y avoir une maison que j'ai pas faite. Mais laquelle? C'est la fin de la faire. C'est alors la fête aussi, je crois. Je sais plus. J'ai un doute. Celle-là, c'est là qu'il fallait rentrer le ventre. Bon, là peut-être pas faite en fait. Il est descendu. Non, elle est pas faite. Je dois retrouver mon patient laissé. Ah, nouvelle arme. Ah non, même pas. Ah, j'y ai cru pourtant. Ça, j'adore quand on me donne plein de trucs comme ça. Ça pue la merde à chaque fois, ça pue la merde. Ouais, bon, bah, c'est tout. Et je vais là tout regarder, hein. Point de contrôle. Super. Super, super, super. Il n'y a que dalle. Ok, ça je prends. Ça bouge. Une bouteille, je prends la fiche. Plein de photos. Je passe tout. La foutre. Leslie. Au secours. Oh, Dieu soit loué. Le docteur est menacé là. Tu calmes. Attendez, Doc. J'entends quelque chose. Quelque chose. Calme-toi. Putain, je l'ai même pas vu rentrer, ce fils de pute. Alors, attendez, on va prendre une petite seringue et le fusil à pompe. Doucement. Il est où? Putain, bah ouais, mais je suis j'aurais jamais assez de réflexes, moi. C'est pas possible, ça. Non. Non. Tu n'as rien à craindre avec moi.
Ah, je sens, je vais... Non, reste là. Quelque chose. Calme-toi. Putain, comment je suis censé faire? Oh, j'ai peut-être encore détonné la lumière. Ça fait... Allez. Ah, oh, putain, je suis morte. Ouais. Alors là, là je m'en chie, mes amis, là je m'en chie. Parce que malgré les fusées à pompe et tout ce qu'on a, faut le voir le bonhomme, hein. Mais bon, on avance dans les chapitres, hein, donc forcément c'est de plus en plus dur. Donc bon, ça m'inquiète pas plus que ça non plus, quoi. Je me dis déjà quand chapitre, je sais pas, chapitre 10, je sais même pas combien de chapitres en fait. Déjà là, on pourra se plaindre. Bon, du coup, je prends une seringue maintenant. Voilà, comme ça, j'aurai vraiment la vie à fond. Et ouais, fusil à pompe, c'est beaucoup mieux, je pense. Tu vas faire le plus de mal. Leslie! Au secours! Oh, Dieu soit loué! Le docteur Jimenez est là! Tu calmes! Attendez, Doc, j'entends quelque chose. Quelque chose? Calme-toi! Ça fait très peur. Doucement. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Non. Je suis quelque chose par terre. Tu n'as rien à craindre avec moi. Ah, c'est ça. J'étais pas loin. J'ai peur. J'ai peur. Non. Reste là. Quelque chose. Bouge. Bouge ta mère. Donc du coup là t'es là. Yes. Doucement. Non. Tu n'as rien à faire avec moi. Yes. Putain. Ah ouais, je parlais plus là. J'étais concentré. Alors concentré. C'est terminé. Vous êtes toujours là? Mais ouais, t'inquiète pas mon gars, je suis pas morte. Hop là. C'est un vrai coupe-gorge ici. Est-ce qu'on peut trouver un lieu sûr? J'en doute fortement. Pas d'issue. Pas d'issue. Nous devons y aller. Par ici. Attends, tu crois que je vais laisser la gelée toute seule? Personne ne peut plus. Non mais... Bah voilà, en plus il y en a deux. 300. Ils sont partis où? Ils sont partis dehors. Tranquille, normal. Sans aucun souci. Les escaliers ont disparu. Je commence à croire qu'on perd vraiment la tête. On perd 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 la tête. Mon Dieu. Non. Ruvik, c'est bien toi. Vous êtes qui, vous? Non, n'y allez pas. Qu'est-ce que... Docteur? Leslie? Merde.
passe ici? Je me pose la même question que toi, Marcus. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors... Non, t'as pas de bouton allumé par hasard? Pourquoi je suis passée par le haut pour l'en bas? J'ignore. Ok, donc c'est là par là qu'il faut aller. Donc, je fais demi-tour. Je fais demi-tour juste pour voir s'il n'y a rien à récupérer. Comme là, il y avait des balles. Là, il y avait des balles. Là, il y a ça. Oh putain, que j'aurais pas dû. Le cadeau du jour. Un zomba est fraîchement coupé. Pour vous réveiller vos nuits d'été. Ouais, mais non. Ça sent, non, je sais pas. Je viens de recommencer. Putain, le zombie, il est mort. Hein? Franchement. Eh, pas un tout petit peu raison, la dame. Je suis où là? Ah, je suis retourné dans la merde. Ça donne un sang. Oh la vache. Hop, on récupère. Ça veut manger, y'a rien à dire. Tu peux la récupérer la flèche, s'il te plaît? On a trop. Charge. Ça, on peut récupérer. Et on est reparti. Et... Oh! Ah, une clé, c'est cool, ça! Voilà. Et pourquoi il y a un piège avec tout le monde? Pourquoi il y a un piège? C'est pas la même endroit, non? Ok, je finis sur mon tour, rien à foutre. Hop là, voilà. Là, c'est quoi? Je croyais que ça allait me tomber sur la guana. Donc là, j'ai fait le tour. Donc là, j'ai le choix, soit de prendre à droite, soit de prendre à gauche. Je vais prendre là, hein. De toute façon la première fois qui est devant mon nez. Hein. Je suis pas rangé, je suis plus. Alors. Bon là, hormis que c'est plus la merde. On a quoi d'autre? Une échelle. On va prendre. Rocket-o-men. Ok. Ok, bon, admettons. Quoi d'autre? C'est comme la roulette russe en fait. D'accord, je veux savoir s'il sautait, il ne saute pas. Ok, c'est bon de savoir. Après 4 let's play du jeu. Merde. Tu peux désamorcer ce truc là ou pas? Ouais. Oula, non, non, putain, ça pue la merde ça. Alors, en arrêtant la glu dans la zone bleue, au moins d'un tour d'écran, vous déracinez le piège. Vous déracinez les pièces à réutiliser. Ok. En gros, je ne toucherai plus à cette merde. J'ai même pas eu le temps de pff, rien. Pas eu le temps de rien. Ni plus ni moins. Ok, en fait, ça savait strictement rien de monter. Ok. C'était bon à savoir. Bah, du coup, on prend une seringue, hein, pas le choix. Un coup, je peux te dire, je m'abstiendrai. Du coup, là, il n'y a rien. Hop.
Alors ensuite, ah j'ai pas vu ces gens. Trois pièces, c'est tout. On va prendre aussi. Tu peux pas le désamorcer ? Voilà. Là. Bon bah du coup on va prendre par là voir ce que c'est. Ok. Moi quoi faire de ça ? D'accord, on va penser là aussi. Quel le levier déjà qui lance les pics là. Non mais gars, bouge. Mais non mais... Je vais pas réfléchir à toi, ça. Allez. Voilà, quand même. Allez, on monte, Vite fait, je vais aller se taper une... T'as plus rien. Mais ça, c'est pas d'aiguille, je sais pas. Ça avance. La munition. Ça veut pas les cramer quand ils passent dessus. Allez, avance, ouais, prends ton temps, ça retourne des fois que tu serais poursuivi par des hordes de zombies. J'ai quoi comme truc en fait comme arme
Enfin, depuis avant, t'as plus un gars, donc je te laisse. Là, de ce que je comprends, il ne reste plus de zombies. Il ne reste plus que... Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me suis pris un coup imaginaire de je sais pas d'où. D'accord, ok, c'est chouette. Par contre, là, je suis vraiment bon, à fond dedans, c'est pour ça que je parle pas. Parce qu'en vrai, j'ai tellement peu de munitions que je sais que ça va être très juste. Très juste. Après, il y a toujours la force de mes doigts, hein, mais... ça, par contre, j'aimerais bien l'activer directement maintenant. C'est beaucoup plus simple. Hop. Ah bah ouais, c'est beaucoup plus simple, on trouve des choses en plus. Ok, allez-y, attaquez-moi, y'a pas de soucis. Non, parce que ça sert à rien de rentrer là, puisque c'est là, c'est la... les bombes. Pareil, il faut que je recharge comme tout à l'heure. En même temps, je peux la garder dans les mains. Hein. Vu qu'on sait ce qui nous attend, je peux la garder dans les mains, il n'y a pas de problème. Alors, là, il n'y a rien. Non. Hop. Des bruits, j'adore. J'adore les petits bruits comme ça. Ça me donne très, très envie. Toi, je te brûle. Qu'est-ce qui t'est arrivé encore? Il fait quoi, les gens? C'était quoi? Ah, il est un autre souvenir. Hop là. Là c'était le zombie cadeau. Je crois que c'est le zombie cadeau là. Hein. Rien que ça tire. Ça ouais, tire vraiment des armes. Non mais franchement même pas hein, quoi. Voilà. Vous avez vu comment il peut être énergique quand il veut. Gars, s'il te plaît. Je crois que t'as un petit peu suivi mais quand même. C'est pas vrai.
Ah là! C'est beau, franchement! Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, en plus, ça rapporte vachement bien. Bon, réessaye. Nickel. Bon, je vais quand même monter en haut des fois que. Mais bon, je pense qu'il y a quelque chose. Il faut qu'il y en a un qui aurait lâché n'importe quoi. Hop. Et on a gagné en même temps ça. Enfin, gagné. C'est un triste grand mot. Hein. Allez, hop, c'est parti. Alors, du coup, on va pouvoir prendre les balles là-bas aussi. Non ? Ah ouais, non, d'accord. D'ailleurs, j'ai niqué 30 balles et là, j'en ai quasiment niqué aucune. Qu'est-ce qui se cache là-dedans ? Qui me prend pour un con ? Look. Ok, c'est fermé. Ok, il y a plein de balles. Un mort. Là, je l'ai. On sait ce que c'est. Hein. On sait ce que c'est. Prends-moi, je te jure, je vais regretter mon verre. Voilà, comme je dis, pas me prendre pour un con. Ok, bon. Je crois qu'il fallait vraiment que je dégage en fait, que je m'amuse pas à essayer de l'avoir. Ça a quand même dû fuir, hein. Bon. Les ennemis plus imposants ont davantage de santé. Gardez donc un œil sur vos munitions. Ah bah ça, je m'en doute bien. Je m'en doute bien. C'est soit en fait tu gardes un œil sur tes munitions, soit tu fais que des pleines têtes. Et du coup, ça se gère. Voilà, c'est au choix. Bon. Du coup, en mode péteux, c'est ça, hein, c'est ce que j'ai compris. Hein. En mode gros péteux, ok. Putain, mais regardez-moi ça quand il court. 3 mètres, quoi. Putain, c'est abusé, quoi. C'est juste abusé, quoi. J'aurais pas dû. En même temps, c'est trop tentant, il y a trop de choses. Il
vu Lashley, j'ai des balles, j'ai tout, tout ce que je voulais. Je ne comprends pas. Donc en fait, tout à l'heure, enfin, je connais Ross. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs ennemis peuvent être volés avec une seule émette, c'est ça, c'est proche. Ouais, non, parce que des fois. Eh, ça se garde là. Ça se garde là, donc il doit bien avoir un truc. Ok. Ça veut dire qu'en fait, que je ferme le. Voilà, le truc. Donc en fait, j'étais pas non plus totalement con. Il fait chier le bordel là! Je prends le temps de faire ça parce que je me dis que peut-être que tout à l'heure tu pourras le vaincre. On a pas le temps. On a pas le temps. Tu veux pas le brûler, lui, là ? Non ? Ça te dirait pas ? Parce que moi, ça me dirait bien, tu vois. Un petit peu de camp dans... Un petit feu de camp dans un ascenseur. Tu fais quoi de ça? Ouais, c'est chouette, c'est cool, hein, y a rien à dire. Je peux même pas partir en plus. Mais quel est l'intérêt de descendre si quand je descends elle est toujours en bas? C'est quoi la différence? Enfin, c'est quoi l'intérêt, on va dire ça comme ça? C'est quoi l'intérêt de descendre? Donc il ne fallait pas descendre, ça se trouve aussi. Mais bon, j'ai un doute. Allez, hop. Allez, récupère. Allez, vas-y. Là, tu descends. Bon, peut-être que c'était pas sur la gauche et l'ascenseur. Puisque là, quand même, clairement, il y en a rien avec toi. Oula, oui. Je pensais pas que c'est aussi près, bizarrement. Qu'est-ce que tu veux? La droite à gauche, j'ai rien. Donc là, faut faire un bon sprint, quoi. C'est parti pour sprinter, hein. Ah, c'est une bonne blague. La bonne blague douce, hein. Je crois pas. Je suis passé. Ouais, par contre, moi j'ai vu plein de choses aussi que t'as loupé, hein, mais bon, ça on s'en fout, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça m'embête un peu, mais bon, c'est pas grave. Alors là, on a plein d'allumettes, on a plein de balles, on a plein de machins, et on a des bonbonnes. Ça sent le zombie par là. Vous sentez l'odeur de zombie? Je me suis dit peut-être que je pourrais passer par à travers en considérant que peut-être. J'ai vraiment cru en plus. J'ai vraiment cru passer à travers. Non. Que dalle. Mais le problème c'est que si je recule, je recule, je recule, c'est cool, hein. Quoi, il va pas me toucher et tout. Mais il y a mon temps en fait, la porte derrière moi elle est fermée. Donc je risque de pas aller bien loin. Donc déjà on va prendre le fusil à pompe. Triste.
fait ça. Ok. Putain, mais t'as le don de toujours te casser la gueule, mon gars. T'as le don, hein. Moi, je te le dis. Ok. Ah, chapitre 4 terminé. Eh ben, moi, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que le chapitre 4 était beaucoup plus court que le chapitre 3. Moi je sais pas, c'est un peu la, ouais, la, comment je pourrais dire, l'impression que j'ai. Du coup, accepter. Vous pouvez voir qu'il est 23h21, donc il fait nuit. Toujours attendre cet épisode là quoi, il fait nuit. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis bah vivement le prochain épisode, comme on dit. Non, je suis rané minuit 14, enfin 0-14-14, je me demandais quoi ça vous correspondait. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Donc voilà, bah écoutez, bonne vidéo à tous, et puis à bientôt sur Just Gaming pour de nouvelles vidéos, et pour la suite de The Evil Waiting.